qui rêverait pas de conquérir le monde avec son produit, quoi. Donc, du coup, moi, je suis Laura, cofondatrice de la confiture parisienne avec Nadège, et qui, du coup, on a monté ça en octobre 2015. L'idée de confiture parisienne, elle est arrivée, on s'est retrouvés autour d'un goûter et autour d'une confiture. Et là, Nadège me sort une confiture qui venait de Baie-de-Somme. Et là, on s'est dit, waouh, c'est cool. Mais par contre, ah ouais, c'est trop sucré. Et du coup, l'idée, c'était, ah mais comment on peut faire pour faire la plus belle et la plus bonne confiture du monde ? Il nous fallait les bons fruits, il nous fallait les super sucres. Et on est vraiment, vraiment resté dans la tradition sur la cuisson et la production. Du coup, ouais, c'est vrai, la confiture parisienne, c'est vraiment parce qu'on est deux parisiennes et que jusqu'au bout des ongles, on est parisienne. Ça, c'était sûr qu'il fallait qu'on l'appelle confiture parisienne. Ça a commencé, on faisait tout toutes les deux. Évidemment, on faisait même les livraisons en talon aiguille, en scooter à Paris. Du coup, Fer nous a effectivement permis d'avoir accès à des petits détaillants, des acheteurs, des concept stores, des épiceries fines, etc., qu'on n'aurait jamais pu avoir tout seul, c'était impossible. Effectivement, on a atteint des nouveaux pays grâce à Fer, notamment du coup les US, qui est notre target de l'année. C'est hyper satisfaisant et on est super fiers.